Salut, c'est Shunchi et moi aussi aujourd'hui pour le 14e épisode d'Easy Tech. Et regardez-moi ça, des items droppés à terre. Non, on dirait que quelqu'un a voulu réaliser un craft. Celui-ci, ça rentre dans les composantes. J'ai crafté le building block. Le building block ou le quarry des RevTools qui va donc me permettre de quarrier une certaine zone, de miner une certaine zone, de délimiter une certaine zone, qui permet aussi de remplacer en l'occurrence le filler qui n'existe plus, qui n'est plus présent dans Minecraft vu que Buildcraft n'existe pas en l'indice. Du coup on va faire ça et regardez ce que je suis en train de vous montrer. Regardez, on pourrait presque croire que je fais un timelapse. Malheureusement j'ai pas une deuxième personne qui mine à ma place, non. Plus heureusement, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je compte réaliser un mob spawner, une tour à mob, et je vais la réaliser dans la montagne directement. Je ne vois pas pourquoi je devrais la réaliser à l'extérieur, surtout que j'ai beaucoup de place dans la montagne, vu que comme vous avez pu le remarquer, elle a un diamètre assez certain, ce qui me délimite avec, enfin me permet d'avoir une certaine distance à délimiter dans dans le bâtiment. Je donne des mots et des mots dans tous les sens, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave, l'idée est là. Soit je vais faire un gros trou dans la montagne grâce au Buildcraft, au builder block qui n'est pas de Buildcraft justement, et qui va donc me permettre de placer ma tour à mob. Bon, ça fait un certain moment maintenant que je record mais j'arrive à rien, du coup je vous reprends pour vous expliquer ce que j'étais en train de faire. J'ai donc crafté le builder block. J'ai crafté une shape card cleaning quarry qui ne fonctionne pas et j'ai crafté aussi une shape card void qui ne fonctionne pas non plus. J'ai sélectionné une zone dans la montagne que j'ai présélectionnée, ok. Et donc du coup maintenant je suis avec ma shape card void là. Et je vais mettre en mode tac tac tac. J'ai raté le truc, c'était solidbox que je voulais mettre. Solidbox, voilà. Je la mets là-dedans et je clique droit là-dessus. Et là ça devrait fonctionner, je suis censé voider, ah et ça a l'air de fonctionner, je suis censé voider à la... Stop, stop. Oh, attendez, non, c'est peut-être normal. Oui, j'ai fait une erreur de présélection dehors, mais ça c'est pas grave. Ce qui m'intéresse c'est surtout... Oh, j'ai peur en regardant l'intérieur. Il n'y a rien qui est... Ouh, je vous entendez ce doux bruit. Ce doux bruit de cassage de blocs. C'est-à-dire que sous peu ici ça devrait tout casser. Ça descend vite, ça descend vite, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Voilà, j'ai su cliner une zone carrée. C'était pas évident, je peux vous assurer, ça faisait plus de 10 minutes de record que j'avais déjà fait juste avant. Et ça ne fonctionnait pas. Du coup c'était pas peu pratique. Alors en même temps j'ai eu une petite connerie, j'ai fait apparaître une zone de sélection en dehors. En faisant clic droit dessus, on peut faire désélectionner la zone de sélection. Ce qui est fort pratique dans mon cas, vu que je n'ai jamais voulu mettre la zone de sélection ici. D'ailleurs, je constate qu'ici... Non, ici, j'ai pas touché. Ou c'est moi qui ai voidé ça, ici, à la zone. Je sais pas. Je dois vous avouer que j'ai cliqué sur plusieurs appareils et tout ça pour arriver à le faire fonctionner. Soit. Comment cela fonctionne, pour les plus curieux d'entre vous? Eh bien, c'est bien simple. On prend une carte, n'importe laquelle, enfin ici j'ai voulu voider une zone, du coup j'ai pris la shape card void. Je fais clic droit sur le builder que je vais utiliser. Je fais clic droit sur un bloc, je fais clic droit sur un deuxième bloc. Après je clique droit dans le vide avec, et je dis la zone que je veux sélectionner. Alors il va vous informer une fois que vous faites ici shift clic droit, qu'il veut sélectionner le premier corner. Une fois que vous sélectionnez le premier corner et que vous cliquez dans un premier coin, il nous dit maintenant now select the second corner, donc sélectionnez le deuxième corner, le deuxième coin. Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la carte directement dedans. Mais avant de la mettre dedans, il faut mettre en solid box si vous voulez aider tout l'intérieur. Sinon par défaut il se met en box et il ne vide que le contour. Donc c'est deux petites informations importantes. Puis vous mettez la carte dedans, installer le module, et vous faites clic droit dessus, enfin clic droit sur le levier qui donne un signal de redstone. Cela va réclamer pas mal d'énergie, mais comme vous le savez certainement, là au-dessus j'avais 50 millions d'RF. Donc j'ai utilisé 13 millions pour faire la petite zone qui s'est représentée ici. Mais ce qui me permet en même temps de savoir à quoi représenter la zone. Pourquoi? Comment je savais à quoi, quelle était la taille de la zone? Tout simplement parce qu'ici, on a l'option de faire ça en mode voilà support prévu mode enable. Donc il a actionné et logiquement quand on sélectionne une zone, voilà, on peut voir toute la zone qui est entourée. Ce qui m'a permis en fait moi d'être dehors et d'observer que le carré ne sortait pas.
Vu que le carré ne sortait pas, il était forcément à l'intérieur de la montagne. S'il était à l'intérieur de la montagne, c'est-à-dire que j'avais délimité une zone à l'intérieur de la montagne qui ne débordait pas, que je ne pourrais donc pas voir de l'extérieur. Ce qui me permet donc maintenant, finalement en conclusion, de pouvoir me faire ma zone pour mes mobs. Alors désolé d'avoir été aussi long, mais vous pouvez le comprendre, il m'a fallu trop de temps pour arriver à cette séquence-là correctement. Voilà, j'aimerais donc faire ma tour à mob à l'intérieur et la mettre dans une certaine texture de bloc. J'ai choisi la texture de bloc, la Greenstone Brick de Random Things. Et alors du coup j'ai utilisé le Mercurial Hay. Parce que la dimension de la tour elle est déjà correcte. Et oui effectivement, j'avais pas fait attention mais j'ai pas. Enfin si j'ai retiré l'épaisseur des murs. Enfin j'ai retiré la boîte donc tout ce que j'avais sectionné. Donc du coup je suis déjà à cette hauteur-là. Mais j'ai pas pensé à le faire correctement pour les murs. Du coup si je commence à mettre une épaisseur des murs ici, bah, je vais être décalé par rapport au couloir. Du coup je dois creuser toute la face ici. Mais j'ai pas envie de creuser toute la face. Du coup on va changer ça de la manière suivante. Je vais utiliser le Mercury Hay de Project E, qui me permet, si j'appuie sur ma touche H qui permet de changer de mode, de passer soit en normal mode, soit en transmutation mode. Donc là je me mets en transmutation mode. J'appuie sur une autre touche, qui me permet donc par exemple de mettre une batterie dedans. Ainsi qu'une direction. Donc là, la direction, je veux arriver vers les Greenstone Brick. Ce qui me permet de faire à chaque fois clic droit sur le mur et de transmuter le bloc que j'ai présent devant moi en mon nouveau bloc qui est actuellement le Greenstone Brick. Ce qui va me permettre de colorier tout le mur. Bien sûr, je suis fainéant. Du coup, je booste ça et je fais un clic. Et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Bon, bien sûr, tous les éléments qui n'ont pas de MC ne pourront pas aller dans ce sens-là. Un truc qui m'inquiète, c'est. Ah, il faudrait une torche peut-être. Ah, ça fait bien que sur un seul d'épaisseur. Donc justement l'objectif à atteindre. Du coup, c'est parfait. En quelques clics, j'aurai rempli tout mon mur de la belle couleur green verte que j'ai appliquée ici. Bon, alors pour progresser, il me faut crafter le Soul Binder. Pour me crafter le Soul Binder, il me faut une tête d'Enderman. Pour avoir une tête d'Enderman, il faut tuer des Endermen. Pour tuer des Endermen, il faut trouver des Endermen. Pour trouver des Endermen, il faut aller dans le bon endroit. Genre l'End. Et ça tombe bien. Ah oui, je suis allé très loin. Ah bah oui. Ah oui, ah bah oui. Ceci fut un fail. J'ai cru que je pouvais me téléporter directement là. Je peux pas me téléporter à l'end? Public, private, base. Ok, non, ça c'est bon. Dial, overworld. Ah oui, c'est con. Je l'ai pas connecté au truc dans l'end? Ah mais vu que le land n'est pas jungledé, je parie que ça fonctionne pas. Ah c'est con. Ben, attendez. Du coup, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est taper N dragon. C'est dragon que j'ai mis là? Oui c'est dragon. Je croyais que j'ai écrit dragon au début. C'est pas grave. Ben voilà, je viens de le réactiver. Du coup, c'est tout droit, 1 000 km tout droit. Bon, ben alors je demande à Shepard de faire un backup du serveur avant que j'aille là-bas. Tout simplement parce que la dernière fois en faisant des grands trajets à grande vitesse, j'ai glitch dans un mur ou je ne sais de quelle raison, et ça a tué mon data. Du coup j'ai dû prendre le backup de mon data, ce qui m'a ramené mon inventaire en arrière par rapport à l'épisode, ce qui m'a assez bien énervé, surtout que j'ai crafté des crafts qui n'étaient pas présents dans la transmutation table, donc des crafts compliqués. Mais alors, le temps qu'il fait la sauvegarde, je reste ici pour pas aller trop loin, pour pas faire trop de chargement et pour éviter de me faire glitch. Je croise un Enderman qui se trouve là, je le tue, et sur le premier que je tue, je chope une tête d'Enderman. Bien sûr, ça doit être certainement grâce au fait qu'elle soit looting 3 l'épée que Shepard m'a donné, gentiment. Donc maintenant, je pourrais crafter le Soulbinder. Et regardez, une deuxième tête d'Enderman, c'est pas magnifique. Looting 3, c'est plutôt bien. Je pense que je devrais enchanter toutes les spikes que je compte utiliser par la suite pour tuer les monstres dans mon mob spawner avec bah, justement les fameuses... Looting 3. C'est complet. Ah là là. C'est compliqué de parler. Oui, c'est pas évident tous les jours. Oui, hein? Et voilà, donc tout ça me permet de crafter le Soul Binder. On vient me dire que j'ai pas de tête de creeper. J'ai pas de tête de creeper? Non. J'ai pas de tête de creeper. J'ai pas de tête de creeper? Oh, j'y crois pas, j'ai certainement pas de tête de creeper. On va retirer ça et on va regarder dans le sac rouge s'il n'y aurait pas une tête de creeper qui serait glissée par hasard. On n'en voit pas, on n'en voit pas. Merde. Bon, je vais pas le nier, ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur Minecraft depuis la dernière séquence parce que j'arrivais pas à trouver une tête de creeper. J'en ai enfin trouvé une, c'est-à-dire que je l'ai gentiment retirée bah, du monsieur creeper, hein,
il était décapité. Donc du coup, je peux crafter maintenant le soulbinder. Le soulbinder qui me permet donc, comme son nom l'indique, de lier les âmes, logiquement. Donc, il me faut pour ça des vials et tout ça, et c'était pour crafter normalement un item intéressant. Alors, l'ultime item que je voulais crafter était le suivant. On met une émeraude liée à une soul vial de PNJ. On ajoute l'XP nécessaire, le craft se lance et on permet de crafter l'anti-sitting cristal. Un cristal intéressant qui n'a pas de MC malheureusement. Me permettant donc au final de crafter l'attracteur obélisque qui va donc attracter les ennemis, enfin les monstres, à une condition qu'il y a présence dans l'item d'une âme de PNJ. La range est de 16 et si je rajoute une octaédrique, la range est de 64. Alors, est-ce que je peux show de range? Voilà, je peux voir la range. Et donc, d'après ce que je constate, je suis largement en dehors de ma zone, aussi bien en hauteur que dans tous les sens. Ce qui signifie que je peux l'appliquer sans problème pour attirer tous les monstres présents dans ma tour. Allez, on se reprend pour 2-3 crafts. On va commencer par crafter l'XP vacuum. Mais pour ça, il faut crafter ceci avant tout. Tac. Ah, d'accord, c'est pas un item stackable. Et en plus, j'ai une chute de lag. Une chute de lag. J'ai une chute de FPS, ce qui provoque des lags. C'est pas grave. On craft donc l'XP vacuum en premier. On l'enchaîne pour crafter l'expérience obélisque. Ah oui, mais d'à côté, j'ai droppé tout dessus. Là. Si je retape XP, tac. 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 On va en prendre deux et on va crafter deux. On va aussi crafter donc l'XP obélisque, comme j'étais en train d'essayer de vous le dire. Tac, parfait. Et on va en crafter un deuxième par nécessité pour reprendre la recette. Voilà. Donc, je viens de faire deux crafts qui concernent l'XP. On va crafter après quelque chose dans le mode Random Things. On va crafter ce qui s'appelle un item collector. Mais moi, l'item collector, il me suffit pas. On va crafter l'Advanced Item Collector. Tac, on la prend, on le met ici. Et comme ça, c'est appris, je pourrais le refaire par la suite. Bon, bah ça me fait déjà 3 nouveaux items. Il faut bien sûr ne pas oublier de crafter les Diamond Spikes, il faut bien un élément pour tuer les mobs, du coup on apprend aussi la recette. Et puis des Diamond Spikes, il m'en faut bah, un petit paquet à mon avis, du coup on va en crafter 64. J'ai plus qu'à installer le tout. Et voilà, on commence à installer le tout. Donc du coup la salle, j'ai rajouté des étages de dirt, ce qui permet de faire spawner les mobs. Ensuite, ici, j'ai mis un XP vacuum qui va donc aspirer l'XP et qui va l'attirer vers l'expérience Obélix. Dans le pire des cas, je me suis assuré de tout faire fonctionner. Bien sûr, j'ai dû tout casser avec des ender fluides conduits pour m'assurer que tout fonctionne. Ensuite, les ennemis doivent tomber et doivent donc se faire tuer. Ils vont se faire tuer sur une série de spikes en diamant. Et là, je constate que les spikes en diamant ont été changés au niveau de la texture. Ce qui rend plutôt sympathique, je trouve. Et donc, du coup, les mobs vont tomber ici. Sauf qu'encore, les mobs, je dois arriver à les attirer par ici. Alors, pour les attirer, on va tout simplement creuser ici au milieu de la pièce. Aïe. Et on va mettre l'expérience, l'attracteur Obélix, en dessous. Comme ça, bah, il n'est pas visible. Et pourtant, c'est bien le centre de la zone de meurtre. Donc, tous les monstres vont être attirés par ici. Ensuite, un autre item intéressant, c'est l'Advanced Item Collector, qui serait capable de téléporter tous les items. Et alors là j'arrive pas à le poser. Ah, ça se pose contre un mur. Et apparemment ça se pose pas contre tout. Par exemple, là j'arrive pas à le poser. Là j'arrive pas. Et là j'arrive. D'accord, c'est contre un inventaire. Du coup, je dois poser un drawer contrôleur qu'on va poser ici pour le moment. Et je vais poser par-dessus ceci. Normalement, ça va attirer tous les blocs à une distance de 21 blocs de distance. Donc si je fais ça, ça téléporte directement les blocs à l'intérieur et ça prend une place, ce qui est justement l'objet désiré. Donc j'ai plus qu'à refermer le tout et après à faire fonctionner l'obélisque pour attirer les monstres vers mon piège. Ça va faire une demi-heure que je réalise une séquence, mais ça fait une demi-heure aussi que je reste devant un putain de bêtisier sur Dota 2. Et vu que je suis à fond sur le jeu, bah, je suis resté à fond accro à tout bêtisier. Et ça fait une demi-heure que je suis dessus, le bêtisier n'est pas encore fini, il reste encore 10 minutes, j'ai dû faire pause pour pouvoir faire ma séquence que je vais faire. Donc ça fait un petit moment que j'ai crafté l'explosive générateur. L'explosive générateur qui se crafte avec le fournisseur de générateur, et tout ça vient de d'Extra Utility. Donc si je mets de la redstone dedans, de la redstone, oui ça pète, ça commence à produire de l'énergie.
et ça fait sacrément beaucoup de dégâts. Du coup ça alimente la machine à côté, ce qui justement les fait disséré. Sauf que tout ça, je dois extraire d'ici avec des items produits, peut-être pas du mode de la gunpowder directement. Je dois extraire d'ici, donc extraire avec un item filter de la gunpowder justement, qui va donc être injectée dans ce gentil bloc qui a tendance à faire beaucoup de bruit et de dégâts autour de lui. Mais vu qu'il est justement sous les pics, alors insert, voilà, si maintenant je viens mettre par exemple de la gunpowder là-dedans, je devrais normalement entendre la machine péter. Voilà, ça va péter, ça va faire des dégâts au-dessus, du coup ça va faire des dégâts sur les créatures, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense qu'un Soul Muffler serait quand même utile. Ah, et ça existe encore le Soul Muffler. Est-ce que j'en ai déjà crafté un de Soul Muffler? Non, je dirais. Non, apparemment. Donc voilà, mon système est censé fonctionner. Alors par contre, je vais juste retirer ceci qui sont des loots, vu que ça récolte tous les systèmes, forcément quand je casse quelque chose, ça drop directement. Alors du coup, on va aussi casser ces deux blocs là. Et on va monter et essayer de capturer avec des Soulvials les éventuels mobs qui ont spawn dans mon piège. Ah, là il y a un zombie, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, on ne dirait pas. Mais un zombie, et sachant qu'il y a déjà un zombie encore tout en haut. Un zombie. Donc, si je vais mettre ça là-dedans, donc le Soulvial là-dedans de zombie, c'est censé attirer le zombie. Et je suis censé normalement voir le zombie de tout en haut. Ah, ah, regardez. On voit bien qu'il a attiré, vu qu'il pétille d'attirance. Mais le problème, c'est qu'il ne fait pas le premier pas. Ce qui est problématique, c'est qu'il ne va pas se suicider. J'ai un gros problème. Le problème étant le suivant. À chaque fois qu'un mob tombe là-dessus, le serveur crash. J'ai essayé en solo. En tout cas, j'ai essayé avec des creepers. À chaque fois que des creepers rentrent en collision, alors je sais pas si c'est tous les mobs, mais je suppose que c'est tous les mobs. À chaque fois qu'un creeper tombe dessus, ça meurt. Il meurt. Et enfin, au moins qu'il meurt plutôt, parce que si je me mets, s'il tombe dessus contre, il n'y a pas de souci d'ailleurs. Est-ce que si je mets un drop, est-ce que ça pose un problème? Non, aucun. Et d'ailleurs, le serveur est peut-être déjà crash, parce que là, cet item-ci n'aspire plus. Ouais, si, il aspire là, mais il n'aspire pas l'entité qui se trouve ici. Tiens, pourquoi? Si, il aspire bien. Il aspire sur un rayon de 21 mètres. Là, il aspire pas. Ah là, il aspire pas. Attendez, mais 21, c'est quand même pas 10 blocs de longueur. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, il doit respirer jusque là. Ah, il n'aspire pas. Tiens, comme c'est étrange. Pourquoi il n'aspire pas? Tac, tac. Là, il aspire pas non plus. Il aspire pas. Il aspire pas, il aspire pas, il aspire pas, il aspire. À partir d'ici, il commence seulement à aspirer? Seulement là? Ah! Il y a moins d'augmenter la taille ici, ok. Soit, du coup, comme je vous ai dit, il y a un problème au niveau du moment qu'il y a une créature qui tombe ici. Ça, bah, ça fait tout simplement crasher le serveur, ce qui est problématique. Du coup, je vais retirer les spikes. Et j'ai donc, alors, je voulais me dire, c'est bien, tu retires les spikes, t'as besoin comme ça. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis en train de m'amuser, enfin, m'amuser, à essayer de mettre à jour Extractivity 2, parce que j'imagine que le problème vient d'Extractivity 2 principalement. Du coup, j'ai essayé de mettre à jour sur une nouvelle version. Je n'y arrive pas. À chaque fois que j'essaie de faire passer Extractivity 2 à jour, le serveur crash. Et c'est pareil pour quasi tous les modes du serveur. J'ai du mal à les faire passer à jour sans faire crasher le serveur à plusieurs reprises avant d'arriver à quelconque résultat. Sauf que cette fois-ci, j'arrive à zéro. J'arrive à zéro résultat. Ce qui est assez problématique. Mais j'ai quand même besoin de tuer mes mobs. Du coup, je dois trouver une deuxième solution pour tuer les mobs. Dans tous les cas, si vous avez des solutions pour m'aider à passer le modpack à jour, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir que des gens puissent m'aider sur ce genre de problème-là. Et si vous rencontrez aussi le même problème que moi et que vous connaissez la solution pour éviter ce genre de soucis, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis bien évidemment intéressé par toute solution éventuelle. Alors maintenant, comment je vais faire pour tuer les mobs? Bon, voilà, j'ai modifié quelque chose, j'ai rajouté des lapis glaces de Random Things qui se craftent de la façon suivante, donc des glaces entourées avec un centre du lapis. Et normalement, ça permet en fait aux mobs de passer à travers, mais moi pas. Donc ça, ce serait normalement l'idéal.
Bien évidemment, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme je l'espère. Puis en plus, ils doivent tomber ici, mourir, et je ne sais même pas s'ils vont me looter quelque chose. Mais un autre problème, qui est évident, c'est que les monstres ne tombent pas parce qu'ils ne spawnent pas. Alors la meilleure solution pour faire spawn des mobs, vous le savez certainement, c'est d'avoir de la Cursed Earth. Donc il me faut de la Cursed Earth. Comment il faut faire pour obtenir la Cursed Earth? Apparemment, il faut farmer le Wither Skeleton. Déjà, dans l'épisode précédent, j'ai fait un Wither Skeleton. Il m'a fallu 20 ans pour ramener tous les Wither... Non, un Wither, un vrai Wither, pardon, pas un Wither Skeleton. Mais il m'a fallu déjà 20 ans pour tuer tous les Wither Skeleton pour obtenir les bonnes têtes. Donc, du coup, je vais faire la même chose dans cet épisode-ci. Je vais encore mettre 20 ans pour essayer de tuer, essayer d'espérer, espérer, d'espérer, essayer d'espérer de looter le bon item pour pouvoir le placer sur la Cursed Earth. Enfin, sur la Dirt pour faire de la Cursed Earth. Mais ça va prendre 20 ans. Du coup, je dois trouver une solution bêta. Et la solution bêta est de faire un spawner à ce zombie skeleton. Sauf qu'avec Enderio, on doit seulement le faire dans le Nether. Mais moi, je le veux dans ma tour à mob ou dans les environs. Et donc, pour ce faire, on va utiliser Actually Addition. Ouf. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, je pense que j'espère. Ah mais non, j'avais raison en fait, j'avais pas rêvé. Drop of Evil, c'est ce qu'il faut planter sur le sol qui se drop sur les le skeleton. Pas le Wither, enfin le Wither Skeleton, mais pas le Wither. Et du coup, j'en ai déjà chopé deux. Ce qui peut être un début d'un commencement. Et donc, du coup, je peux déjà aller appliquer ces deux petites sources sur, enfin, sur ma dirt qui va devenir donc de la Cursed Earth. Ah, bon, là, je commence déjà à avoir un début de progression. C'est déjà bien. Donc, on plante ça là-dessus. Oh, et en plus, c'est rapide. Et là, les monstres viennent. Ah oui, ça pop vachement bien. Ah oui, ça. Directement en 2-3 clics, c'est déjà autre chose. Alors il y a un bruit sourd, mais bien sûr il y a un sous-muffleur pour couper le son. Ah oui, mais oui. Comment on appelle ça en français déjà? Une door. Tac. Et on va mettre une porte ici. Il m'en faut une deuxième. Attendez, il faut que je tue ça parce qu'en fait j'ai pas pensé, mais c'est pas du tout sécurisé comme zone. Oh mon dieu, c'est Bagdad. C'est Bagdad. J'ai fait n'importe quoi. Je vous reprends une fois que j'arrive à régler la situation avec... Oh putain, j'en laisse de plus en plus circuler. Oh, j'en peux plus. J'ai fait que de la merde. Bon, pour sûr, ça drop déjà. Bon, enfin, pour sûr, ça meurt là-dedans. Mais après, est-ce que ça drop vraiment? Hop, ça, ce sont plus des loots que je viens de récupérer moi-même. Que je viens de récupérer, que j'ai accumulé là-dedans. Et donc, du coup, maintenant, on va voir si ça drop. Alors, les créatures... ne deviennent pas toutes rouges, ok. Mais en fait, elle meurt. Mais elle meurt grâce au TNT générateur qui se trouve en dessous, qui fait des explosions pour produire de l'énergie. Aucun rapport avec le reste. Et mon dieu, la quantité de mobs que ça a fait spawn en moins de 2 secondes. Ah, je pensais pas que la Cursed Earth c'était aussi efficace. Mais donc, c'est-à-dire que je vais surtout mettre un deuxième niveau de glace. Donc déjà, je vais m'amuser à poser ça là-dedans. Pose ça, on ouvre ceci, on ferme ceci, on est avec eux, on se balade et on s'amuse. Je vais arriver à poser tout ça, je vais arriver à poser tout ça, je vais pas arriver à poser tout ça, j'y arriverai jamais. Oh mon dieu! Je l'ai posé. A priori, tout ça a l'air de looter. Point positif. Malheureusement, je ne pourrai pas obtenir les loots que je pourrais obtenir en killant des mobs. J'ai vu un truc passer là, non? J'ai vu un fusil de quartz. Non, c'était en regardant ça que j'ai vu un fusil de quartz. Ok. Ouais, donc du coup, ça a l'air d'être bien comme solution de rescousse. Mais j'aimerais quand même bien avoir des spikes. Parce que ce sera jamais le mob spawner que j'aurai. À part si maintenant je viens placer ici dedans un mob d'Enderio là, le truc. Le mob killer. Mob killer. À la limite, je devrais taper un mob killer dans l'histoire pour faire fonctionner l'histoire. Mob Grinder de Draconic Evolution. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il permet de looter des items? Je ne sais pas comment il fonctionne celui-ci. Peut-être intéressant à regarder. Mais sinon, je tape ça. Ce sera celui-là la meilleure solution et la plus facile à utiliser. Et sinon, le mob killer n'existe pas. Je recherchais le nom. Vu que je suis quelqu'un de curieux, vu que je suis tombé sur cette page-là en tapant mob, j'ai regardé un petit peu tous les noms et tous les éléments différents que je connaissais déjà. Alors par exemple, je pourrais utiliser Progressive Automation, mais le problème c'est que je devrais utiliser de l'énergie de 1, ce qui est énervant. Et de 2, je dois aussi utiliser des épées, si je me souviens bien. Plus une upgrade et tout ça, ça peut être casse-pied. Mais ça peut être utilisé. Ah, on le garde en tête. Mais par contre, j'ai continué, j'ai vu ça.
L'Archangel Smite. Celui qui tire des Fire Arrow sur les mobs pas loin. Je tue des mobs avec... Ah, je peux aussi brûler les ennemis. Ouais, mais ça fait pas... Shoot Lightning and Nerby Mob Activate Yana, ok. Et ça les ralentit normalement. Ok, et sinon je peux le faire avec RF Tool, avec un mob, enfin ouais, enfin ça c'est autre chose. Mais donc si je viens ici, que je fous mon piédestal là, que je prends cet anneau, que j'active. La forme active là ou pas? Oui, il faut venir ici sans rien dans la main, tac, le mettre là. Et puis c'est en cliquant dessus, je pense, voilà, il va se mettre à tirer des flèches sur les ennemis qu'il pourra voir. Du coup, si je caste ceci, il devra pouvoir commencer à voir les mobs. Et il devrait tirer dessus. J'espère qu'il pourrait tirer dessus. Allez, là il est désactivé, là il est actif. Du coup, il devrait tirer sur les mobs. Et il tire en l'air? Uniquement en l'air? Il tire une flèche à la fois? Et en l'air. Ah, il y a peut-être pas assez, il y a peut-être pas assez d'espace. Ouais, comment je peux régler ça? Le problème, c'est qu'il y a tout le temps les mobs qui vont tomber en permanence sur ma tête pendant le temps que je suis en train de faire des tests. Ce qui n'est pas évident pour travailler dans de telles circonstances. Attendez, si je m'amuse à casser la baie vitrée ici, je sens que je vais regretter tout ce que je suis en train de faire. Je le sens, mais bon. Je vais faire des tests. Oh putain. Arrêtez de me frapper, non, un chien. Cette solution manque de précision. Ça tire partout sauf aux bons endroits. Du coup, à part si j'en fais un pied. Ah oui, j'ai une idée. J'ai encore une idée. Je manque pas d'idées, donc je peux continuer. Par contre, il faut absolument que je bouche le trou là au-dessus parce que tous les mobs qui me tombent dessus en permanence ne m'aident pas vraiment. Ok, j'ai transformé le sol en piédestal et on va casser le dessus. Du coup, les mobs vont tomber par milliers. Ils vont se faire surtout massacrer comme des cons. Même si j'ai l'impression que je ne les touche pas du tout. Ah, si, t'en sors. Non, c'est ça, c'est. J'ai vu des cris de douleur, mais ça venait pas de là. Toujours 0 d'XP ici. Est-ce que j'arrive à les blesser ou pas du tout? J'ai l'impression que j'ai juste une accumulation de flèches dans le plafond, hein, c'est tout. C'est triste, et les seules fois où il y a des dégâts, c'est quand ça passe par-dessus le plafond. Oh, c'est génial, c'est génial, c'est... Oh, bah j'ai chopé un disque de musique. Ah, j'ai droppé une gimlette aussi. Bon, je vais aussi dropper des trucs dans l'histoire, hein. Je dis pas qu'il y a que des trucs négatifs qui se passent, hein, mais... Majoritairement, c'est pas du intéressant qui se produit. Surtout que j'arrive pas du tout à récolter de l'XP, ce qui aurait dû être produit depuis longtemps, normalement. Extract, insert, et là c'est bien un XP obélisque, hein, expérience obélisque, ouais, et vacuum XP. Donc, pull de Nerby XP and push into the tank or need to be activated with liquid XP. Et donc, il faudra juste qu'il y ait un peu d'XP liquide qui spawn. Mais globalement, je ne les blesse pas, on est d'accord. Les flèches ne les touchent pas du tout. Ce qui peut être plutôt problématique. Et ah oui, les mobs, je les touche bien, eux, ceux qui sont au-dessus, quoi. Mais ceux qui sont en dessous, je ne les touche pas, du coup je ne fais pas de mort. Ce qui ne me rapporte pas de loot, ce qui ne me rapporte pas d'intéressance. C'est pas évident, hein. De toute façon le test, il est prouvé ici. Tant que je fais pas de kill, je ne rapporte pas de... Ouais. Bon bah on annule. Bon, je suis parti en solo et en créatif pour faire des tests du coup. Pour pouvoir tester un élément qui est progressive automation. Je vais donc tester... le Diamond Killer, pour savoir comment il fonctionne. Alors je me renseigne un petit peu, je vois qu'il marche avec des RF, donc c'est bon. Il peut frapper les creepers, c'est bien bon. Il peut les tuer et me donner des loots. C'est génial, vous allez me dire. Jusque-là, oui, c'est plutôt génial, je les mets. Sauf que déjà le problème, le premier problème, c'est qu'il peut en frapper qu'un seul à la fois. Bon, vous allez me dire, j'ai qu'à en mettre plusieurs et c'est bon. Ok, oui, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai augmenté la range, j'ai mis l'upgrade d'énergie, j'ai mis la sword ici. Et je vois qu'en fait, regardez, on va s'éloigner, il va essayer d'en frapper un. Et il va. Les zombies vont perdre, mais que très très peu de PV, un demi-cœur par coup. Alors, est-ce que c'est dû au fait que quand je frappe un mob, tac, oui, il y a la barre de rechargement qui est apparue sur l'écran, hein, donc la barre là au milieu. Est-ce que c'est le fait qu'il tape comme ça en permanence qui fait que des demi-coups et c'est pas très efficace? Ou est-ce que c'est tout simplement la machine qui est pourrie? J'en sais rien.
Après, je sais qu'il est compatible avec Tinker Construct. Mais le problème, c'est qu'il va casser l'épée. Alors, je cherche une épée là qui a un bon hit de dommage par seconde. Mais déjà, Project E, il rentre pas dedans. Donc ça, c'est déjà un peu con pour moi. Moi qui aurais bien voulu utiliser Project E. Et après, j'arrive pas à trouver une épée qui fait beaucoup de dégâts par seconde. Par rapport à une épée en diamant qui fait... Alors, 7 d'attaque. Ah oui, c'est pas énorme du tout, une épée en diamant aussi. Ah voilà, celle-là par exemple de Tinker Construct. Ok, on va retirer ça. On va rajouter ceci. Et on va la mettre dedans. Et on va la remplacer et placer ceci. Du coup, il va frapper aussi. On va rajouter des petits creepers tout autour. Voilà. Donc lui, il se fait spammer, vous voyez. Mais sa vie descend pas très vite, hein. Et pourtant, il se fait spammer. Ah, mais elle descend quand même un peu plus vite qu'avec l'autre, j'ai l'impression. Sauf que l'histoire, c'est qu'il va casser l'épée assez rapidement. Je reprends une fois que l'épée est cassée. Alors, maintenant j'ai deux informations supplémentaires. A priori, d'après ce que je constate, il drop les items à proximité de lui. Donc ceux où les mobs ont tendance à mourir carrément sur lui, je pense. Je pense qu'il les drop une fois qu'il arrive à les tuer là. Deuxième élément, l'épée s'est cassée et s'est mise sur le côté. Donc en fait, il sauve l'épée entre guillemets. Mais ça m'arrange toujours pas. Et vu la rapidité à laquelle il frappe et la quantité de dégâts qu'il produit, c'est toujours pas un avantage pour moi. Et vu que j'ai pas trouvé l'épée qui allait bien dans l'histoire, eh ben, je pense qu'on va dire adieu à ce. Il y a des AMC là-dessus? Non, il n'y a pas d'AMC. On va dire adieu à cette façon de procéder. Alors, comme je vous ai déjà dit, mes examens arrivent sous peu. Mon premier examen est lundi. Du coup, en fait, je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode-ci parce que je me suis suffisamment pris la tête. Aujourd'hui, on va dire, et j'ai envie de penser à mes examens, me concentrer, m'amuser et m'énerver. Enfin, je me suis pas encore énervé, mais je veux dire, prendre du temps à regarder et à me renseigner sur Minecraft, sur des mods et tout ça, ça prend du temps, comme je le dis. Et donc, du coup, c'est pas évident. Comme vous pouvez le constater, je suis sur la seeds de ma map où on a joué. Et là, on peut remarquer toute la différence qu'il y a eu par rapport au début. Là, il y a tout mon village. Ici, il y a tout mon bâtiment où j'ai pas mal dû raser vu que je suis plus ou moins arrivé à ici. Puis j'ai terraformé la zone là pour faire des champs. Je sais pas, il a fait de la merde par ici, il a fait de la merde là aussi. Enfin, soit. Je vais m'arrêter là pour cet épisode-ci. Si vous avez une solution pour moi, pour au niveau de mettre à jour l'instant, si vous avez... trouver une solution pour faire un mob killer qui marche plutôt bien. Alors pourquoi je veux pas utiliser le mob killer d'Enderio, le killer Joe? Parce que le killer Joe a la fameuse tendance de réclamer des nutriments. Et les nutriments doivent se faire crafter avec des ressources et tout ça. Et comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire un système au plus simple. En fait, là c'était un épisode annexe qui me permettait d'obtenir des ressources parce que j'en avais marre de courir après les mobs. En conclusion, bah, je me retrouve encore plus dans la merde qu'initialement. En fait, la solution, enfin le problème que je sais et que j'essaye de corriger, de solutionner, c'est vraiment de pouvoir tuer les mobs. Hein. C'est vraiment de pouvoir les tuer, de looter leur XP d'un côté et tout leur loot possible et imaginable, leur tête et tout ça, un maximum de loot. Si j'arrive pas à avoir tous les loots, c'est pas grave, je ferai une solution annexe pour les loots en question manquant. Mais là, le but précis et recherché, c'est vraiment de pouvoir obtenir les loots en tuant les mobs d'une certaine manière. Si c'est la seule solution que j'ai, c'est le Killer Joe, ben je le ferai. Mais n'hésitez surtout pas à me donner vos informations, vos conseils et tout ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de modes que je ne connais pas. Immersive a peut-être une solution pour faire ça. Actual Edition a peut-être moyen de faire ça. Calculator Craft a peut-être moyen de faire ça. Je ne connais pas encore tous ces petits modes, je ne les ai pas encore étudiés, entre guillemets. Je les ai pas encore appris de fond en comble. J'ai appris qu'une partie, c'est la partie qui m'intéressait, la partie qui me renseignait. Donc voilà. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Sinon, en tous les cas, on se retrouve dans un prochain épisode pour corriger le problème de la tour à mob. Je trouverai une solution. Et si je dois passer par le Killer Joe, je passerai par le Killer Joe. Donc sur ce, les amis, moi je vous dis ça, salut. Et à la prochaine. Bye.